originaux de toutes ces chansons qui sont là ce soir avec nous. Ouais. Il va y avoir de l'émotion. On va rentrer en mode karaoké géant. Ils sont tous là derrière. Vous allez avoir sur l'écran évidemment toutes les paroles et vous allez chanter avec eux. Vous allez les accompagner. Je peux vous dire qu'ils sont tous derrière. Ils sont un peu traqueurs parce que vous êtes beaucoup ce soir. 2500, des purs fans de Goldorak, donc ils veulent pas se louper mais ils vont donner le meilleur, je peux vous dire. Et on va accueillir le premier. Oh ben, est-ce qu'on va faire ça dans l'ordre chronologique? Voilà, on va commencer par le premier générique. Est-ce que vous savez qui chantait le premier générique? J'ai rien compris, mais je pense que vous l'avez donné. Alors, j'ai entendu... J'ai entendu du Noam, c'est pas Noam. Enrique, exactement. Mesdames et messieurs, Enrique avec nous. Enrique. Eh ben oui. Ah oui, c'est lui. C'est marqué dessus, Enrique. Enrique, c'est le premier générique de Goldorak. En fait, il n'est pas resté très longtemps en tant que générique, mais après, il est dans tous les épisodes. Tout le temps. Tout à fait. C'est quoi pour toi, Goldorak, le fait d'avoir chanté générique, le fait d'avoir 3000 personnes qui sont là, qui disent « Waouh, c'est devant lui quand j'étais en slip que je regardais, c'est lui qui chantait. » Je précise que tu peux le regarder autrement qu'en slip. En fait, j'ai eu la chance, et je le dis souvent, d'être finalement un des tout premiers en France à prendre toutes les images, à avoir ce choc de bonheur. Et j'étais aussi beaucoup plus jeune. Non, pas du tout, fais pas. Ah non, t'as pas bougé, je te jure. Et comme vous, en fait, j'ai été scotché. Et là, et quand t'as chanté, tu savais pas encore, tu te rendais pas compte que ça allait devenir quelque chose de culte, en fait. Non, on m'a souvent posé la question, et j'ai découvert ça, j'ai pris ça vraiment en pleine figure, parce que c'était révolutionnaire à l'époque. Souvenez-vous, il y avait que des lapins, que des souris, que des canards. Ouais, c'était Walt Disney. En fait, on attendait tout ça. Et le robot est arrivé. Et là, t'es arrivé avec ta chanson. Et oui, Enrique, à l'époque, t'as été choisi parce que t'avais une voix qui ressemblait à celle du chanteur japonais. Alors, c'est un peu ce qu'on m'a demandé, en fait, à l'origine. Parce que ma carrière, je l'ai faite avec le lyrique, bravo. Et comme l'interprète japonais a une super voix... Avec un accent du Sud, aussi. Oui, parce que c'est du Sud du Japon. J'espère que quand je chante, ça s'entend moins. Je suis retourné dans le Midi, c'est pour ça que... J'ai retrouvé mes vieilles habitudes, mais voilà. Mais il fallait quelqu'un avec une voix un peu d'opérette, un peu perchée, et puis j'étais là, et puis c'était que du bonheur. Bah, t'étais là, et surtout t'es là ce soir pour nous, pour cette soirée Goldorak. Enrique, tu vas nous chanter les deux génériques. Accours vers nous, prince de l'espace, et va combattre ton ennemi. Vous allez chanter avec lui, il est là pour vous ce soir. Enrique, le méga concert. Enrique. De justice et d'amour, toi le chevalier solitaire, nous appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Ces étoiles, viens vite, viens nous protéger. Dans ton merveilleux robot, tu te bats encore. Repousse tous les assauts, deviens le plus fort. La terre a besoin de toi pour battre tes gars. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Viens
terre de justice et d'amour. Toi, je ne parais pas faire de ta colère en secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, terre à sa vérité.